écoutez, fiers chevaliers, la fabuleuse histoire. L'histoire de la table carrée des dragons et leur gloire. Un Camelot, le roi chalume au trône. Et c'est du boulot pour bien cacher que la reine est boulotte. Les dragons sont fiers combattants, se battent pour l'honneur et pas pour l'argent. Quand une dame crie au secours, il n'y a qu'un seul recours, les dragons vous sauveront toujours. De la table carrée, nous devons maintenir les règles. Tous français, serpents et gentils, nous dégotons à merveille. Y'a pas de rime, c'est d'accord, on va quand même le chanter. Les dragons sont très fiers de dire que le roi chalumeau est un grand sire. Le devoir nous appelle, vive notre union pour la gloire des sacrés dragons. Le thé magique. Je dressais l'armure de monseigneur lorsque j'ai entendu des pleurs. Belle maman, tout a perdu son bien le plus précieux. Le dé d'or de Théodora. C'était un bijou de famille que lui avait donné la reine Mammouth. Non seulement sa valeur était inestimable, mais il avait des pouvoirs magiques. C'est lui qui m'avait inspiré dans mes créations de broderie telles que mon point de croix dans la Seine sans les apôtres. Et dans le costume que j'ai fait pour Braise lorsqu'il a été adoubé. Privé de mon précieux dé d'or de Théodora, je suis comme une rose délicate dont la magnificence va s'éteindre. Mais où peut bien être dans ce de l'eau alors que je suis au bord de l'agonie? Il est chez le dentiste, Majesté, mais je vais le prévenir. Il y a une urgence royale, Monseigneur. Elle attendra, feu follet. J'ai mieux à faire. Aujourd'hui, le vénérable Sir Lance de l'eau entre dans l'histoire comme premier noble dragon ayant expérimenté la prothèse esthétique. Le dé d'or que cherche la reine Gritou. Quoi? Sacré dragon! Je croyais que c'était un déchet d'or inutile qui traînait par terre. Selon la reine, ce dé inspire aux couturiers des œuvres d'art stupéfiantes. Voilà sans doute pourquoi j'ai éprouvé le besoin impérieux de tirer l'aiguille. Monseigneur, retournez chez le dentiste enlever ce couvre-chicot. Je ne peux pas, Fouctué, c'est du définitif. Je crains que votre renvoi soit définitif aussi, lorsque la reine saura que vous avez pris son dé en or comme colifichet buccal. Eh bien, je ferai en sorte qu'elle ne sache rien. Non, maudit chevalier, ils m'ont égaré, mon dé d'or. Je vis une tragédie à nulle autre pareille. La pire chose qui puisse arriver, c'est que la reine Mammouth la prenne. Oyez, oyez, le royaume de Camelot sera très bientôt honoré de la présence de la reine Mammouth pour une visite royale. Ciel, une visite de mamie Mammouth. Je suis perdue. Allons, allons, belle maman. Maintenant que Sir Lance de l'eau est ici, il va retrouver votre dé. Pendant que Flamme s'occupe de la reine, rassemblons les chevaliers et essayons de récupérer cette dent du diable. Grâce à l'espion des ténèbres, je sais qu'un orage va gronder sur Camelot. Où je veux me rendre avec cette mise flamboyante qui attire le regard? Si je pouvais m'emparer du fameux dé doté de tous les pouvoirs que Sir Lance de Lara a dans la bouche, je vendrais cette guenille et m'offrirais un nouvel équipement de gymnastique dernier cri. Qu'en dites-vous, chevalier des ténèbres? Et moi, je suis pour... Oh oui. Mais encore faut-il que je trouve un plan diabolique. Hourra! Le plan diabolique parfait! Il me suffit de kidnapper Sir Lance de l'art. Après tout, c'est vrai qu'il vaut bien son pesant d'or. Ma chère enfant, ce dé d'or était un peu comme une béquille. Je pense que je peux avoir autant de génie sans lui. Je ne peux pas vivre sans mon dé d'or. Docteur Bruleval, à votre service. Arrêtez vos simagrées, charlatan, et faites votre travail. Et pour commencer, j'ai besoin d'une radio. Il va falloir le congeler. Vous piochez, moi je vrille.
J'ai kidnappé le gros Alain d'Andor et l'amener au comte Geoffroy, obtenir la récompense des scélérats. D'où MacGregor ? Mais c'est plus ajusté qu'un caleçon de laine à la saison des pluies. Oh yeah. La reine Mammouth a été localisée sur le pont de Londres. Cette grosse barrique en jupon ne devrait plus tarder. Mieux vaut ne pas l'embiner. Vous vous souvenez de l'aimant métalleur de feu follet? Tous les imbéciles s'y laissent prendre. Hurrah! Alors je suis partant. Suivez-moi! C'est parti! Ça fait mal. Anne Banté, ce n'est pas un chevalier. Je ne crois même pas que ce soit un dragon. Par contre, cette parka me va comme un gantelet. J'ai déjà regardé là-dedans. Ne gaspillez pas votre temps et retrouvez-moi, mon dédo. Vous avez là la solution idéale, monseigneur. C'est à l'époque de mes grandes inventions que j'ai créé l'aimant métallor. Votre dent en or va instantanément sortir de votre bouche. Ne sois pas ridicule. Chacun sait que tes inventions n'ont jamais marché. Bravo, feu follet. Ton aimant est une trouvaille. Feu follet. Éteins. Oh! Ouf! Nous voilà tirés d'affaire. Il n'y a pas de raison pour que ce plan ne fonctionne pas à la perfection. Oh yeah! Le carrosse de la reine Mammouth devrait bientôt dévaler les rues de Camelot. Je soupçonne que ce carrosse ne sera pas le seul à débouler. Chevalier, nous n'avons plus qu'une seule solution. Suivez-moi! Hurrah! Allez! Ça, c'est l'eau qui fait déborder le pichet. Cette robe ne peut aller qu'au nettoyage à sec. Comment est-ce que je pourrais la retoucher si je n'ai pas le dé en or? Je vais kidnapper Sir Lance de l'art moi-même dès que j'aurai trouvé le moyen de m'infiltrer dans Camelot. Eureka, j'ai un plan. Je me demande pourquoi j'ai laissé ces bouffons s'en charger. Seul un génie de mon envergure peut trouver un plan aussi redoutable. Une seule chose serait assez puissante pour extirper le dé magique. La substance la plus dure connue de mémoire de dragon. Le cake de notre souveraine. Je ne connais rien de plus infect et de plus inutile. C'est trop tard. La reine Mammouth arrive dans son carrosse royal. Le dé d'or de Théodora. Oh, ma très chère petite fille. Ma très chère petite mamie adorée. En l'honneur de votre royale visite, j'ai personnellement poli le dé d'or de votre ancêtre Théodora. Vous pouvez jeter cette vieillerie. Mamie vient de m'en offrir un nouveau beaucoup plus précieux. Voyez, le dé en diamant de mon arrière-grand-tante, Lucie. Gardez-le, mon ami. Puis-je vous suggérer de le vendre et de trouver un bon dentiste qui vous arrange tout ça? Parce que, de vous à moi, ce n'est pas très esthétique, ce qu'on vous a fait là, hein? Oh,